Quel match, quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Qui va l'emporter? C'est la grande question. Et on va voir ça tout de suite. Salut à toutes et à tous, on n'est pas à plein aujourd'hui. On a le plaisir de vous retrouver dans les tribunes de l'Etihad Stadium. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la première ligue, Manchester City contre Newcastle. L'équipe visiteuse reste sur une bonne prestation lors de son dernier match. Un bon départ, c'était le minimum pour cette équipe. On attendait les 3 points pour commencer et c'est ce qu'ils ont offert à leurs supporters. Jetons un œil sur la compo de Manchester City. Dans le but, c'est Ederson, Ruben Dias avec Nathan Ake en défense centrale et en attaque, Erling Haaland. Attention, c'est chaud dans la surface, et là. Ah non, là c'est manqué. Trippier. Il y a du soutien là pour attaquer. Avantage, l'arbitre laisse jouer. La passe était dangereuse, mais elle est interceptée. Olé, le bon mouvement. Et le but! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. C'est reparti dans cette rencontre. City est mené d'un but. Foden. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement le ballon est perdu. Mohamed Koudous. Et peut-être un coup à jouer là pour Foden. Le ballon qui est perdu. Et oui, la bonne passe en profondeur. Et ça rentre, but! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ruben Dias avec Matheus Nunes. Et le ballon est finalement intercepté. Le ballon pour Haaland. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Locatelli. Trippier. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Ah, peut-être un bon mouvement offensif pour City. Et l'arbitre laisse l'avantage pour City. L'arbitre revient à la faute. Ça sera donc un coup franc. Faute et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Haaland qui reçoit le ballon. Ah, il élimine son adversaire. Oh, il y a encore le feu. Ah, le danger est écarté. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et c'est pour Phil Foden. Mohamed Koudous. Très beau le geste technique. Ah, il a jailli en deuxième rideau. C'est bien joué. Ballon récupéré. Erling Haaland.
Super pressing et la récupération très haute. Oh, l'occasion de revenir. Matteo Funes. Bernardo Silva à la réception. La parade. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Très bonne couverture de balle. Ballon perdu, c'est rendu même. Et les adversaires pressent. Mohamed Koudous. Ah non, là, la balle qui est perdue. Bernardo Silva. Bernardo Silva à la réception. Bien fait, très bonne protection de balle. Et c'est dans les bras du gardien. Trippier. En direction de Locatelli. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Ah, grosse opportunité, attention. Goal, 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 goal. Le but pour creuser l'écart, surclasser l'adversaire. 3 buts d'avance. Sa priorité, ce n'est pas de dribbler, mais cadrer. C'est une sapatasse. Un coup de savate vers le but, validé par tous les forgerons. Le jeu qui a repris, avec donc Newcastle devant, 3 buts d'avance pour les Magpies. Matteo Funes. La balle pour Nathan Aké. Balde. Kevin De Bruyne. Les Sky Blues qui perdent le ballon là-dessus. C'est une faute et un coup franc là pour Manchester City. Haaland qui reçoit le ballon. Il y a du monde en soutien. Et c'est pour Phil Foden. Et le gardien s'illustre bien. Et City qui va faire un changement. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Attention là, c'est Haaland. Ah, le tir, le but est vide. Quelle intervention, elle est hyper importante. Le corner. Ah, c'est mal tiré le corner et c'est tranquillement capté par le gardien. Alexander Isak. Ah, c'est une bonne progression ça, balle au pied. Attention la frappe et le but et ça continue. Incroyable performance offensive et maintenant ça fait 4 buts d'écart. Maintenant c'est bon, tu prends le but, tu l'amènes au magasin et tu l'encadres. La précision, la finesse, l'intelligence, il y a tout dans ce but. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Manchester City en danger, c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Le ballon est bien frappé mais ça sort en 6 mètres.
Tchouaméni en direction de Locatelli. La faute, mais ça joue. Avantage pour City. De Bruyne. De Bruyne reçoit le ballon. Du nouveau du côté de Manchester United avec cette arrivée maintenant confirmée par le club. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. On espère surtout que son adaptation soit rapide, efficace et belle. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Joel Linton. Et pourquoi pas, bien sûr, tenter le deuxième poteau. Le ballon change de camp. Pour Garnacho. Allez ! Et encore un nouveau but. Quelle punition ! Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Et c'est une manita, ça fait maintenant 5 buts à rien. Baldé. Ça sort des limites, c'est une touche. Locatelli. Ouais, bonne intervention là. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Alors, au menu des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec de la Première Ligue, Manchester City à Sheffield United. Et encore une fois, le ballon repoussé n'est pas maîtrisé. Et au final, cette attaque s'arrête là. Foden. Alors pour Bernardo Silva. Foden. Phil Foden reçoit le ballon. Joe Ellington. Ah non, le ballon est perdu là. Bernardo Silva à la réception. Avec Phil Foden. Olé, belle technique là. Ah, il y a un peu d'espace dans l'axe. Et quel arrêt sur ce ballon, le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. C'est un changement pour Manchester City. Ah, le corner bien tiré. Avec Kevin De Bruyne. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Ah, c'est bien fait, le centre en retrait. Allez, il faut la tenter. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Le ballon de De Bruyne. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Pour Phil Foden. Et maintenant Haaland. Et c'est pour Kovacic. Haaland la frappe. Et le danger bien repoussé par le gardien. Livramento. Et vous le savez sans doute, hein, ce rendez-vous de Première Ligue à suivre bien sûr sur nos antennes. Newcastle affrontera Liverpool. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Kovacic avec le ballon. Julian Alvarez. Très bonne intervention dans la surface. Ballon pour une frappe. Attention à ce ballon qui traîne. Bernardo Silva. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Bernardo Silva à la réception.
le ballon est perdu. Il y a du monde là, quelques possibilités. Le ballon pour Haaland. Ah, ce ballon finit en dehors des filets. Et le remplacement peut avoir lieu. Number 6, Nathan Aké, coming onto the pitch. Number 5, John Stones. Tchouaméni. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Attention! Et le gardien s'illustre bien. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Foden. Ballon pour Bernardo Silva. Haaland qui reçoit le ballon. Avec Phil Foden. Il faut bien négocier ce ballon là. Et le gardien qui écarte bien le danger. Oh, c'est dedans! Le ballon relâché et derrière ça ne pardonne pas. Goal! Le but c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Bernardo Silva à la réception. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre et donc l'équipe en déplacement repart avec les 3 points. 6 points en 2 matchs, c'est un départ parfait. Et quand ça commence comme ça, on a envie de rêver, d'aller plus haut.